D'accord. Même juste en bardage, on était à 20 000 balles, quoi. Enfin, d'accord. Un emploi poubelle, ça me paraît bien mesuré. Ah oui, je suis d'accord, oui. Je suis d'accord avec ça. Bah non, mais en fait, les mecs, c'est... Ah, du coup, on n'est pas très nombreux. Les mecs qui viennent faire juste pour ça, enfin, ça, ils te font un devis prohibitif parce que ça les emmerde de venir installer un truc comme ça. D'accord. On va peut-être voir avec comment... Bah en fait, j'avais appelé Nicolas. Patelli pour qu'il me donne des boîtes. Vous pouvez voir avec Patelli, parce que Patelli, il a peut-être des solutions. Non, mais là, je suis en contact avec Oxalis qui fait le paysage sur les hauts prés qu'on a sur Courcelles aussi. Ouais. Et qui fait des clôtures. Ah bon? Ouais. Ah, tu fais en grillage? Non, mais pour les clôtures, ça peut être plein. Ok. Sinon, on pose la question à Patelli aussi, il a des bons conseils. Lui, c'est qui Patelli? Patelli, c'est un menuisier, il est menuisier, mais il fait aussi de la lue, il fait tout. Il est dans Une activité. D'accord. En Mathias, Patelli. Il est très sympa. En fait. D'accord. Ouais. C'est plus ce que tu dis.
Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ce dernier conseil municipal avant les vacances que je vous souhaite d'ores et déjà joyeuse et ensoleillée pour changer. Donc nous avons le quorum, nous allons donc pouvoir tout à fait légalement délibérer. Nous avons plusieurs pouvoirs. J'ai moi le pouvoir de Jacques Ricroft, Patrick Dubois le pouvoir de Patrick Maros, Jean-Pierre Payette a le pouvoir d'Alain Buffetril, Muriel Duny a le pouvoir de Delphine Réjas, Éric Didier a deux pouvoirs, un pour de Françoise Sevin et un autre de Geoffroy Blanchot, et puis Claire Orlaville a le pouvoir d'Aurélie Hamel. Personne d'autre n'est porteur d'un pouvoir en dehors de ceux que je viens de citer. Donc, il nous faut désigner le ou la secrétaire de séance, en l'absence de la secrétaire perpétuelle Aurélie, qui accepte de tenir le rôle éminent de secrétaire de séance. Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous veut se dévouer ? Jean-Michel, merci. Et donc nous allons pouvoir commencer l'étude de l'ordre du jour en commençant par l'approbation du compte-rendu du dernier conseil municipal. Le compte-rendu du procès-verbal, j'ai eu Alain Buffetril qui m'a indiqué le fait qu'il avait donné un pouvoir. Ah. D'accord, ok. Donc il n'a pas bien donné son pouvoir. Bon, donc du coup, le procès-verbal ne doit pas être modifié comme il me l'a demandé, du coup, aujourd'hui. Donc en dehors de cette demande effectuée par Alain Buffetril, du coup, je n'ai pas eu moi d'autres demandes. Est-ce que sur le compte-rendu que vous avez reçu, vous avez des demandes de modification, de précision ? Tout va bien ? Nous allons considérer donc ce procès-verbal comme adopté ? Je vous en remercie. Alors, donc le premier point de l'ordre du jour, pardon, puisque donc il était effectivement noté en deux sur l'ordre du jour que vous avez reçu, mais pour libérer notre intervenant extérieur, je vous propose donc de faire en sorte de placer le sujet de la concession Place Le Sage et du Crackle, donc du rapport d'activité 2020, en premier point à l'ordre du jour, et je vais donc aussi rapidement passer la parole à Guénolé Tréguer, qui, au nom de la Schéma, donc qui assure le fonctionnement de ce traité de concession, va vous présenter ce rapport. Guénolé. Bonsoir à tous. Donc un petit rappel du cadre juridique pour démarrer. Donc il s'agit d'une concession d'aménagement donc entrée en vigueur le 29 mai 2015. Nous avons déjà signé deux avenants, un premier avenant en 2016 et un deuxième avenant en 2018. Donc pour mémoire, le projet consistait donc d'une part à requalifier la place Le Sage, hein, qui était un parking avec des places plus ou moins informelles, des trottoirs qui ne permettaient pas une bonne accessibilité des personnes à mobilité réduite. Donc c'est la place que vous connaissez aujourd'hui qui a remédié. Et le deuxième volet consistait à construire un bâtiment en 2017 et à porter ce bâtiment pour une durée de 15 ans. Donc pour ce faire, donc la Schéma s'est vu transférer un permis de construire qui était détenu par la ville. Nous l'avons conforté par un aménagement de l'étage qui était prévu brut à l'origine. Et nous avons assuré la commercialisation donc avec les commerces et les professionnels que vous connaissez. Donc, cinq professionnels de santé sont situés à l'étage. Hein. Donc, un cabinet d'infirmières, une orthophoniste, une podologue, une orthodontiste et trois commerçants. Donc, et j'ai oublié une psychologue. Voilà. Donc les commerçants, donc l'autochtone, le coq noir et le libraire Place 26.
Voilà. Donc l'objet aujourd'hui d'approuver le réaliser, hein, c'est à savoir l'arrêté des comptes au 31 décembre 2020, hein, qui sont les derniers comptes arrêtés au sein de la schéma. Nous mettons de côté aujourd'hui les perspectives au-delà de 2020, puisque nous avons encore un peu de travail à faire avec, je crois, la commission urbanisme, et notamment sur étudier le potentiel rachat du bâtiment, ou cession du bâtiment, donc soit par la collectivité, soit par un tiers. Voilà, donc auquel cas il y aurait lieu d'approuver des avenants à la concession d'aménagement d'une durée de 15 années. Alors pour bien comprendre les chiffres, je vous fais un rappel sur les subventions donc, qui ont été obtenues donc, par la ville notamment et qui ont été reversées à la schéma. En premier lieu, la DETR, hein, donc, c'est une dotation d'équipement des territoires ruraux, donc pour un montant de 400 000 euros, donc, qui portait pour partie sur le bâtiment et pour partie sur l'aménagement de la place. Nous avions également, donc, pour un montant attendu de 97 000 euros, donc, une subvention départementale, dite Bourg-Centre, pour lequel nous avons finalement perçu 91 000 euros. Une subvention qui est arrivée en cours de route, qui n'était pas prévue au départ, mais pour laquelle l'opportunité a été saisie, donc, c'est la dotation de soutien à l'investissement local, le DECIL, pour 240 000 euros. Ainsi qu'une aide à l'immobilier de 36 000 euros du département donc, sur le volet immobilier. Donc cela porte le montant des subventions finales à 767 000 euros. Voilà. Concernant donc, le volet aménagement, alors j'espère que vous voyez bien, le tableau est un petit peu petit, enfin, les chiffres sont écrits petits. Donc je vais essayer de vous les lire. Le volet aménagement donc correspond à l'ensemble des travaux, études et honoraires qui ont été nécessaires pour réaménager la place. Et il s'élève à ce jour, on réalisait à 577 453 euros. Donc voilà. Donc sont provisionnées encore quelques dépenses résiduelles. Enfin voilà, il y a une charge de gestion de 40 euros par an, et ainsi que voilà, la rémunération de clôture de l'opération globale qui est affectée sur ce volet aménagement. Voilà. Mais c'est sans incidence, je dirais, sur ce volet aménagement finalement qui est complètement terminé. Tous les travaux sont soldés. Voilà. Les seuls travaux qui pourraient rester à faire sur la place sont éventuellement un enclos pour la gestion des déchets des commerçants, pour qu'ils puissent avoir leur propre conteneur derrière le bâtiment. Au niveau des recettes, donc nous avons perçu un ensemble de recettes, donc d'une part une participation du concédant de 375 000 euros, donc qui s'est avéré taxable suite à des échanges avec l'administration fiscale. Donc 183 000 euros de DETR, 240 000 euros de DECIL et 91 000 euros de Bourg-Centre. Alors, du fait de l'arrivée du DECIL, il apparaît un excédent sur ce volet de l'opération de 287 000 euros. Voilà. Donc, finalement, on a fait, entre les quelques économies qu'on a réalisées aux appels d'offres et les subventions retenues, on a finalement largement optimisé ce volet de l'opération. Sur le bâtiment, donc, on a un réalisé qui s'élève à 1 332 000 euros. Donc, cela comprend l'acquisition. Donc, nous avons acquis le terrain 50 000 euros hors frais d'acte auprès de la commune, des études, des honoraires pour à peu près 100 000 euros. L'ensemble des travaux, donc les travaux se décomposant donc en travaux directement liés au bâtiment, donc pour 600 000 euros, que nous avons complété dans un second temps par l'aménagement du cabinet d'orthodontie, voilà, qui étaient des travaux un petit peu spécifiques pour 278 000 euros, et voilà, des frais divers, notamment liés au raccordement réseau pour 16 000 euros, de la signalétique et d'autres travaux. Voilà, nous avons eu des frais divers, essentiellement des frais de communication et des taxes de permis pour 46 000 euros.
Voilà, et après, donc là, ce sont toutes les dépenses d'investissement, et toutes les dépenses que vous voyez en dessous correspondent pour l'essentiel aux charges de gestion, à savoir l'ensemble des charges qui se répercutent chaque année sur le bâtiment, donc les assurances, les impôts fonciers, et l'ensemble des consommations qui sont répercutées après aux différents locataires. Alors, avant d'attaquer les recettes, je vous restitue un petit peu l'organisation donc des loyers. Donc on a vu qu'on avait trois occupants au rez-de-chaussée. Donc nous avons des baux qui ont été signés devant notaire pour une durée de 9 ans hein, pour l'ensemble des locataires. Donc le rez-de-chaussée génère 27 000 euros à l'année. Et l'étage génère 33 000 euros à l'année donc pour l'ensemble du plateau des professionnels de santé. Donc le loyer de l'orthodontiste, vous pourrez le constater, est un peu plus élevé parce qu'effectivement ça correspond à des travaux très spécifiques qui nous ont été demandés et qui ont donné lieu à une négociation d'un loyer un peu plus élevé. Donc on est presque à 200 euros hors taxe par mètre carré à l'année. Quoi. Au niveau des charges, donc les charges, donc comme je l'expliquais, ce sont l'ensemble des dépenses qui s'appliquent annuellement. Donc les frais d'entretien, on a une société de nettoyage qui passe dans le bâtiment, les frais de ventilation, de chauffage, d'entretien de la toiture, les extincteurs, l'ascenseur, les alarmes, l'entretien du bac à graisse aussi pour les locaux au rez-de-chaussée, pour les commerçants, et l'ensemble des fluides qui sont répercutés aux locataires. À cela s'ajoutent les frais de gestion de l'immeuble que perçoit la Schéma pour 5 400 euros par an. Donc, au total, les recettes, quand on tient compte des loyers et des subventions, au final, on voit qu'elles ont démarré en 2016, augmenté vraiment en 2017, et on arrive finalement sur l'année 2019-2020, environ 60 000 euros de loyers perçus à l'année, les subventions ayant, elles, été versées par la commune sur les années 2018 essentiellement. Donc voilà, en synthèse, quand on cumule l'aménagement et le bâtiment, nous arrivons à environ, exactement 1 909 947 euros précisément de dépenses réalisées entre l'aménagement et le bâtiment la fin d'année 2020 en cumulé et en recette 1 792 820 euros. Alors là, je vous annonce beaucoup de chiffres, je ne sais pas s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et donc, il nous reste à étudier, comme je le disais en introduction, donc le devenir du bâtiment. Ça peut être soit une poursuite de la concession, ce qui, je dirais, est un outil qui n'est pas nécessairement un outil de portage, mais qui ne présente pas d'intérêt, fondamental. L'idée pourrait être soit de céder, donc pour la Schéma, donc pour la commune, de racheter donc le bâtiment. Selon un calcul qui est prévu par le traité de la concession, c'est-à-dire son prix de revient, déduction faite des différentes recettes de gestion et des subventions qui sont encore à amortir, donc ça c'est des calculs comptables qu'on tient à jour, ou le rachat du bâtiment par une autre entité. Merci Guénolé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet, sur ce bâtiment qui aujourd'hui, ne présente plus les critiques infondées dont il a fait l'objet pendant quelques semaines, notamment pendant sa construction et bien avant qu'il ne soit terminé. Aujourd'hui, je pense qu'il a montré totalement son intérêt, son utilité pour la dynamique du centre-ville, au-delà même des soirées du jeudi soir qui, effectivement, sont toujours très, très sympathiques. Mais on a à la fois, par les professionnels de santé, la librairie, donc une dynamique au rez-de-chaussée qui est tout à fait intéressante. On a aussi pu recréer une petite place qui n'existait pas. Il faut se souvenir de ce qu'était cet endroit il n'y a pas si longtemps.
Donc pour se rendre compte que la modification est quand même très positive pour la commune. Et puis l'étage, on y était encore allé aujourd'hui avec Émilie, donc pour des professionnels de santé, qui est vraiment un étage très agréable, très confortable et très joli aussi en termes d'aménagement. Donc voilà, on peut se satisfaire d'avoir pu mener à bien ce projet avec la schéma. Maintenant, je pense qu'effectivement, on arrive à une première étape, un premier carrefour dans la gestion de cet outil. Et donc, il appartiendra à la commission urbanisme et économie de réfléchir aux solutions pour la fin de l'année éventuellement d'ailleurs, donc qui seront les plus adaptées pour pouvoir permettre à cet équipement de continuer à vivre sa vie dans les meilleures conditions, sachant qu'effectivement l'objectif de cet équipement, c'est d'abord d'accueillir des professionnels qui vont lancer une activité. À terme, pour ceux qui souhaitent devenir propriétaires de murs, évidemment, ils ont vocation, c'est le cas de quelques-uns d'ailleurs qui sont installés actuellement dans l'immeuble, d'aller chercher une autre solution à Douvres. Et jusqu'à présent, tous ceux qui sont venus nous voir pour nous dire qu'ils avaient l'intention d'acheter des murs et de s'installer, le font sur la commune de Douvres de toute façon. Donc, c'est un appel d'air pour des professionnels qui est intéressant, et le fait qu'on amène de nouveaux professionnels, qu'on renouvelle aussi les professionnels susceptibles de pouvoir profiter de cet équipement, participera de toute façon à la dynamique de la commune, puisque nous ne perdons pas ceux qui les quitteront pour aller investir donc ailleurs dans la commune. Pas de questions, pas de sujets sur cette concession, donc on aura l'occasion du coup d'y revenir au cours du second semestre 2021 pour voir effectivement en négociation avec la Schéma, qui est notre concessionnaire, donc comment on peut sortir le mieux possible de cette concession ou continuer la concession si on jugeait qu'effectivement la solution actuelle de portage devait perdurer, puisqu'on est parti sur une concession potentielle de 15 ans, hein, donc à l'issue duquel, de toute façon, là, pour le coup, le bâtiment sera restitué à la commune, quoi qu'il en soit. Mais le fonctionnement du bâtiment ayant été même sans doute meilleur que ce qui avait été prévu, puisque le taux d'occupation est bien supérieur à ce qui avait été imaginé dans les scénarios de départ. Donc il est envisageable, en tous les cas, de pouvoir mettre fin à la concession avant cette durée de 15 ans qui, somme toute, est assez lointaine, même si le bâtiment, de par la qualité de sa construction, est tout à fait en état correct, même plus que correct. Ok, ben on va remercier Guénolé de sa présence et le libérer, du coup, sachant que donc sur ces comptes rendus, hein, on ne fait qu'en prendre acte au Conseil, il n'y a pas de vote, puisqu'il s'agit d'un compte rendu financier, comme ça a été fait par exemple pour le centre Aquanacre hier soir par la société Recrea en Conseil communautaire. Voilà, c'est le même sujet. Donc le deuxième sujet qui était le premier à l'ordre du jour, donc, c'est celui des élus référents de proximité dans le cadre de la stratégie de développement durable et de démocratie participative de la commune. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre, notre adjoint au développement durable. Merci. Donc voilà, vous avez tous reçu dans votre dossier un certain nombre de documents. Peut-être je vais demander à Émilie de surtout montrer la carte, parce que c'est celle qui, si toutefois elle peut le faire. Elle peut tout faire. Oui, j'en doute pas une seconde. Oui, donc resituer peut-être l'historique de ces différents outils qu'on avait imaginé mettre en place dès la campagne, hein, c'est-à-dire qu'il y a d'une part l'ouverture aux commissions, hein, qu'a fait l'objet d'une information avec les différents supports dont on dispose. Je pense qu'il faudra les relancer peut-être à la rentrée à nouveau, parce qu'on a encore des places dans les commissions pour faire participer des citoyens à nos réflexions. Donc l'ouverture des commissions, c'était le premier outil. Le Conseil des aînés, là aussi, alors je dois dire que le Conseil des aînés, dans un épisode Covid, c'est pas quand même le conseil le plus facile à réunir. Là aussi, on va faire confiance à l'avenir, même si
on ne veut pas le faire immédiatement. Ça reste de toute façon une vraie orientation. Le règlement est prêt, il n'y a plus qu'à réunir. Ça ne dépend pas complètement de nous. Il y a aussi le Conseil des enfants. Muriel l'anime depuis un an et demi maintenant. Ils ont déjà eu des initiatives remarquables. Et donc, elle aura l'occasion sans doute de nous en parler, peut-être pas ce soir, mais très prochainement. Et puis aussi un outil informatique cofondé. Et je pense que, en réfléchissant un petit peu à la présentation de ce document des élus référents de quartier, je pense que cofonder les élus de quartier, ça peut être une relation de proximité avec l'outil. C'est-à-dire que les citoyens nous remontent des informations ou des demandes d'informations. On pourra désormais dire, ben voilà, sur ce sujet-là en particulier, rapprochez-vous de tel conseiller, de tel élu référent de quartier, puisqu'on les appelle comme ça, plutôt que d'attendre une réponse qui viendrait tardivement. Je pense que ça va donner de la proximité et ça me semble important que ça puisse être mis en place. Donc tout ça a été discuté en commission depuis un certain temps. Donc ça remplace bien les comités de quartier, hein, qui n'avaient pas donné toute satisfaction, hein, bien qu'on ait eu des gens qui se soient bien investis, mais c'était quand même pas assez nombreux. Donc voilà, l'idée c'est de créer ces référents. Donc voici la carte qui vous est présentée. Je vous l'ai envoyée, alors d'une part, la primeur a été à la commission, et puis maintenant le conseil municipal l'a reçue. Est-ce que vous avez reçu la liste des noms par secteur? Parfait, donc vous savez tous maintenant dans quel quartier vous êtes. Et alors il y a quand même une erreur. Enfin, pas une erreur, un manque. C'est pas une erreur, parce que le secteur de Tailleville existe. Que vous soyez rassurés. Comment ? C'est le 8, exactement. Mais rassurez-vous, quand on fera la diffusion des informations, Tailleville existera, il n'y a aucun souci là-dessus. Et on sait déjà qui y sera. Ce sont les élus de Tailleville. Donc le but de l'action qu'on propose aux élus référents, excusez-moi, j'enlève mes lunettes, j'ai dabué, c'est de répondre à un certain nombre de questionnements, hein, par rapport ne serait-ce que simplement dégradation, incivilité, aux soucis de propreté et d'embellissement. Donc là, l'idée c'est que les référents soient un petit peu les rapporteurs auprès des services, les questions de stationnement, de circulation, tous les petits ennuis de la vie quotidienne, qui ne peuvent pas être résolus ou ça n'avance pas parce que pour une raison qu'on ignore, ben, il y aura une possibilité de s'exprimer auprès des élus de quartier qui pourront faire le constat eux-mêmes de ce qui va, ce qui ne va pas. Et l'idée, c'est qu'ils puissent contacter soit le maire, soit les adjoints en charge du dossier. On a l'éclairage public, l'état d'avoirie, les questions autour des travaux, de l'urbanisme, etc. Et puis aussi une fonction d'animation de quartier. Alors, là aussi, la fête des voisins, en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais on a aussi imaginé que les référents pourraient avoir à prendre contact avec les nouveaux arrivants, notamment pour les informer sur la réunion d'accueil qui est organisée par la mairie. Ça peut être aussi l'occasion d'un premier contact avec la remise de documents comme un livret d'accueil, le plan de village, la liste des associations. Je pense que quand on est nouvel arrivé, ben, ça ne va pas de soi d'avoir toutes ces informations. Et un premier contact avec les élus de quartier, ça me semble une idée tout à fait intéressante. Et puis ça participe sans doute aussi à animer la citoyenneté dans la commune. On a tous vu aux dernières élections quel était le taux de participation, même dans notre commune. Donc si tout ça permet de redonner de la vie à la citoyenneté, je pense que ça sera déjà gagné. Donc cette liste des référents va être publiée sur le site internet, elle sera dans le bulletin municipal. Il y a une charte qui sera confiée, qui a été jointe à l'envoi, qui précise un petit peu les limites de l'action, hein, c'est-à-dire que l'idée c'est pas que le conseiller ou l'élu de référent aille voir le service technique en disant « tu viens voir dans ma rue, boucher le trou », alors là ça va être dans les services une pagaille absolue, et puis ça va mettre les agents dans une situation tout à fait délicate, avec des conflits d'autorité, etc. C'est surtout des choses qu'il ne faut pas faire. Et puis aussi, ben, l'idée, c'est que les élus référents défendent un petit peu les positions qui sont prises par la municipalité et l'équipe. Voilà. Alors, tout ça, ça nécessitera une mise en place. Il faudra aussi faire un bilan peut-être au bout de 3 mois ou 6 mois. On aura l'occasion, à ce moment-là, de se réunir et puis avec un thème unique autour
élu de référent, où on en est, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles sont les pistes d'amélioration. L'idée, c'est que ce soit un processus permanent d'amélioration continue pour qu'on fasse vivre ça. Et vraiment, la chose qui m'est apparue en y réfléchissant, c'est le lien qu'on va pouvoir créer avec Cofondé. Parce que là, en ce moment, les gens déposent des idées, on essaye de leur répondre, une fois, ça prend quelques semaines, parce que derrière, il y a, notamment, si je prends l'exemple du cinéma, on a posé la question aux Douvrais, qu'est-ce que vous souhaitez faire du cinéma? Ils ont répondu à une large majorité, un espace culturel, mais pour le moment, on ne peut pas aller plus loin dans la réflexion. C'est-à-dire, la réponse qu'on peut faire sur Cofondé, le moment n'est pas arrivé pour aller plus loin. Donc voilà, là, je pense que les élus de référent pourront aider à expliquer pourquoi à certains moments on ne donne pas la réponse qui correspond à la question, parce que derrière, il y a quand même le plus souvent une bonne raison pour qu'on n'y réponde pas immédiatement. Donc voilà, l'idée, c'est de lancer ça dès maintenant, à la limite, maintenant que vous êtes tous informés. Je vous laisse quand même un espace de réflexion si vous avez des questions. C'est le moment. Oui. Alors ça, on a vu ça avec Émilie. Elle dispose maintenant d'un moyen qu'elle peut peut-être vous préciser elle-même. Mais c'est en bonne voie par rapport aux difficultés qu'on pouvait avoir autrefois. Il semblerait que ce soit un peu mieux. On essaye. J'ai pas entendu. Sur les inscriptions sur les listes électorales. Donc on ne fera pas du 100%, hein, c'est sûr. Mais en tout cas, on aura progressé. Et je pense que ce premier contact avec les nouveaux habitants, c'est vraiment important. Alors, on aura peut-être un autre moyen par le biais de l'intercommunalité, puisque va être mise en place une box d'accueil des nouveaux arrivants sur l'intercommunalité, par une convention qui va nous lier avec la Poste, et qui, donc, la Poste repère les nouveaux arrivants, forcément, plus facilement, et donc on pourra avoir la liste des nouveaux arrivants arrivés donc et connus par la Poste, donc qu'on pourra croiser avec notre liste électorale, et donc bon, normalement il devrait y avoir moins de personnes qui passent au travers des mailles du filet pour qu'effectivement vous puissiez informer ces nouveaux habitants ou prendre contact avec ces nouveaux habitants ou vous faire connaître spécifiquement de ces nouveaux habitants. Sachant qu'évidemment, vis-à-vis des habitants, au-delà de la carte dont on parlait tout à l'heure, l'idée c'est aussi de mettre en place une photo de chaque élu référent pour que les gens le repèrent physiquement aussi. Hein. Voilà, important. De circulation de l'information d'une part entre les groupes de référents, puisque en fait ça fait 8 groupes. On peut avoir des informations descendantes de la mairie sur les 8 groupes, des informations de la population vers les groupes de référents, est-ce que c'est prévu ou pas, en disant il y a une boîte mail où on peut être saisi, ou en système descendant. Donc voilà, quelle est la réflexion qu'il y a eu sur la circulation de l'information de différentes façons. Alors, d'une part, il y a une boîte mail, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, qui va être créée pour que les citoyens puissent envoyer élus de référence, on va dire Gmail, et les gens pourront s'exprimer. À ce moment-là, ce sera redistribué vers les élus référents du quartier concerné. On demandera aux gens, évidemment, de laisser leur adresse, sinon ça va être compliqué. Par ailleurs, ce qui est certain, c'est que si on veut que les élus référents puissent épauler, accompagner des travaux ou un projet, il faut absolument qu'ils aient connaissance des projets en cours, sinon ça n'a pas de sens. C'est pour ça que je proposais de faire un bilan de ce qui va être mis en place, de façon qu'on puisse être en amélioration permanente. Mais aussi bien dans la proposition des actions mises en place ou proposées par la commune, et aussi la remontée des informations que vous ayez, il faudra effectivement que ça fonctionne moins. Sinon, personne ne s'en sortira. Voilà. Ceux qui ne sont pas dans la réunion de municipalité, ils n'auront pas suffisamment d'infos, ça c'est clair. Donc ça, c'est vraiment un travail qu'on aura à faire. Alors effectivement, le compte-rendu de municipalité est sans doute un des moyens d'avoir les informations. Peut-être qu'il faudra le modifier dans sa présentation pour que vous ayez vraiment, quartier par quartier, l'idée de ce qui se passe. Oui. C'est toi.
Dans la charte, j'ai vu qu'était évoqué, les correspondants de quartier pourraient être des relais du plan de sauvegarde communal. Est-ce que, de ce fait-là, on pourrait avoir une présentation collégiale du plan de sauvegarde, parce que sinon, ça va être difficile. Voilà. Ça me semble difficile de participer au plan de sauvegarde quand il sera remis à jour, si vous n'avez pas l'information. Mais et ça concerne aussi l'ensemble de la population, à un moment donné. Ce qui est bien que vous sachiez d'ores et déjà, c'est qu'on est en train de s'équiper au niveau de la commune. Jackie travaille avec les services techniques sur la question. Alors, normalement, ce sont les adjoints qui vont être les premiers concernés par ces questions, qui vont être en première ligne. Mais vous pouvez voir des choses dans votre quartier. Il n'y a pas besoin d'être sollicité forcément, d'ailleurs, par un habitant pour ça. Il peut y avoir un problème d'inondation, enfin, j'en sais rien. Et généralement, ça tombe le week-end, ce genre de choses. Et donc, on est en train de mettre en place un système de kit de sauvegarde ou kit d'intervention d'urgence, donc avec un véhicule, avec une remorque qui va nous amener à avoir tous les équipements possibles et imaginables, y compris de sécurité pour ceux qui vont intervenir, parce que et quelquefois on l'a fait un peu voilà, à nos risques et périls, on va dire. Et donc, vous pourrez donner la main à l'occasion, d'ailleurs, lorsqu'on arrivera dans votre quartier avec le véhicule et les équipements. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, vous puissiez, du coup, dans ces situations-là aussi, être un relais plus efficace encore et plus rapide pour qu'on puisse éviter des problématiques qu'on a pu connaître par le passé, que ce soit de neige, d'eau ou d'autres choses. Je pense qu'il ne faut pas qu'on confonde le statut d'élu référent de proximité et le statut de conseiller municipal. On est bien là, je dirais, même en proximité, dans la représentation de l'ensemble de l'activité qui préside sur la commune, même si le quartier n'est pas concerné. Je crois qu'il ne faudrait surtout pas qu'on soit sur un risque de repli sur soi et de s'intéresser au petit périmètre, le quadrillage qui est là à l'écran. Je crois vraiment que ça a son importance, parce que sinon on pourrait arriver à imaginer aussi qu'il y ait parfois des rapports d'opposition entre quartiers et qu'on serait là, pour le coup, je dirais, pris à mal, ou mis à mal en tout cas, ou risqué d'être mis à mal, si on n'avait pas cette vision d'ensemble, d'où l'importance de l'articulation avec les réunions de municipalités, de façon à vraiment être en mesure de pouvoir parler de l'ensemble des projets qui sont à l'œuvre sur la commune. Les quartiers sont forcément de proximité, donc si vous n'avez pas l'information globale, ça n'a pas de sens. Non, mais là, je pense qu'on va travailler sur les comptes rendus de municipalité quand il y a des actions ou des activités particulières. Quoi. La mise en place de travaux importants, de choses comme ça, il faut vraiment que ça flash. Mais au final, effectivement, ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Michel. Assez peu de projets sont vraiment complètement spécifiques à un quartier. Généralement, même si les travaux se déroulent par exemple dans un quartier, je prends le cas de la Froide Rue par exemple, qui est une rue extrêmement fréquentée par l'ensemble des Douvrais, c'est un projet qui, bien sûr, intéresse d'abord les habitants du quartier par rapport à la gêne que ça va occasionner, par rapport aux choix aussi à réaliser au vu de leurs propres besoins à eux. Mais au-delà, c'est un sujet d'intérêt général qui intéresse la totalité de la commune. Et effectivement, on n'a pas choisi le terme de délégué de quartier, c'est pas du tout ça, tu aurais tout à fait raison. C'est élu référent, c'est quelqu'un qui peut faire remonter ou faire redescendre des informations entre la population et la mairie. Donc c'est un petit peu une courroie de transmission finalement, et d'explication, lorsqu'il y a évidemment à expliquer des choses pour les habitants. Et c'est un des moyens d'information, on sait qu'aujourd'hui, malheureusement, l'information tue un peu l'information. Il y a tellement de moyens d'information que le nombre de fois où on se rend compte qu'une information qu'on a fait passer par de multiples canaux n'est pas appréhendée par les personnes, c'est juste impressionnant. Donc on fait le pari qu'un contact humain de proximité ne peut qu'ajouter, ça ne réglera pas tout, hein, mais en tous les cas, ça va ajouter à la capacité que nous aurons d'informer. En tous les cas, il ne faut pas se priver de ce lien plus direct. Donc, en espérant qu'évidemment les éléments pandémiques nous laisseront tranquilles pour pouvoir le mettre tranquillement en place comme on l'a prévu. Pas d'autres questions ?
Donc, je vais vous proposer de voter, d'adopter la charte relative aux élus référents de proximité, de prendre acte de la carte permettant la répartition des élus référents sur l'ensemble du territoire de la commune, compris notre belle commune de Tailleville. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, il n'y a plus qu'à mettre en place. Merci. Le sujet suivant, donc, c'est la convention relative à l'entretien des routes départementales. Donc, c'est en fait une convention que nous propose le Conseil départemental et qui reprend concrètement ce qui se passe dans les faits. C'est-à-dire que malgré le fait que les routes soient départementales, une bonne partie des travaux d'entretien ou d'ailleurs d'amélioration, notamment en matière de sécurité, sont à la charge des communes dans lesquelles ces routes passent. Donc la convention ne fait que repréciser les choses et clarifier la position, la posture de chacun, cette convention étant de toute façon nommée comme obligatoire par le département en vue d'envisager la réalisation de projets sur ces départementales. Donc notamment, nous avons pour l'année qui vient, donc pour la fin d'année, deux projets qui sont concernés. Le projet de Tailleville, la rue du régiment de la Chaudière principalement, et puis la froide rue qui, pour partie, est encore une route départementale, enfin, en attendant qu'en tous les cas, elle repasse dans le domaine communal. Voilà, donc ça régit également la place de la communauté de communes qui, elle, n'est compétente que sur les sujets des pistes cyclables communautaires, donc dans le cadre du schéma des mobilités actives que nous avons adopté hier en intercommunalité, en conseil communautaire. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Oui, Eric. Oui, je voulais juste savoir, au niveau quand il y a des travaux, ou en tout cas de réfection, qui est responsable s'il y a un accident ? C'est toujours, d'une certaine façon, nous qui sommes responsables de la sécurité, de la police, des problématiques d'hygiène, enfin de tous les sujets touchant à la vie quotidienne. Donc si tu prends l'exemple par exemple de la RD7, sur laquelle, notamment à proximité du cimetière britannique, nous avons constaté des ornières juste invraisemblables sur cette route, le choix du département aujourd'hui, ce n'est pas de refaire les fonds de forme des routes qui sont très fréquentées. Cette route, c'est une des routes les plus fréquentées du département aujourd'hui. Et donc, du coup, la première réfection qui a été faite il y a 5 ou 6 ans n'a pas permis la réfection de la couche inférieure de la chaussée. Et donc, le département préfère venir recharger ces routes régulièrement, remettre du bitume, de façon à pouvoir, à terme, ça peut fonctionner, mais enfin, dans certains cas, ça fonctionne moins bien, on l'a vu. Permettre de restituer le bon fonctionnement de la chaussée, étant entendu que le département travaille dans le cadre de contrats avec des grosses entreprises, et que, par exemple, sur la RD7, ça fait des semaines, des mois même, qu'on intervient auprès du département pour que les choses se fassent rapidement. Ils ont changé d'entreprise, et donc l'entreprise doit intervenir. Je ne sais même pas si elle ne l'a pas fait, là je ne suis pas repassé là, par la route, mais, donc elle n'a toujours pas fait, alors qu'effectivement là ça devient vraiment très dangereux. Donc si à la fin de la semaine ils ne sont pas intervenus, moi je vais leur faire un courrier, après les avoir sollicités par mail, par téléphone. Jeudi matin, nous rencontrons les personnes de l'ARD, donc du département, responsable des routes départementales, avec lequel, donc, évidemment, nous aurons une discussion franche, comme on dit, sur le sujet. Voilà. Mais c'est vraiment très regrettable, parce qu'on a, à la fois sur l'avenue de la Basilique, sur l'ARD7, et là, donc, il y a vraiment une ornière énorme qui est insupportable avant le feu du cimetière. Et puis également même voie des Alliés, il y a vraiment du faïençage et puis des endroits où la route est vraiment très abîmée. Bon, c'est une stratégie qui tient au fait que visiblement, d'après les services de l'ARD, en tous les cas, le département a baissé de façon significative les enveloppes consacrées aux routes, et que donc, du coup, moins d'enveloppes, moins de budget. Ils ont fait des choix aussi de réalisation de contournements routiers qui coûtent très cher et qui prennent des sommes très importantes, qui laissent du coup moins d'argent pour assurer l'entretien.
Sachant que normalement, ça fait partie quand même du job. Quand on est responsable de quelque chose, on l'est jusqu'au bout ou on ne l'est pas du tout. Donc il y a un moment où, quelque part, il faudra bien poser la question de la capacité d'une collectivité territoriale à assumer cette compétence si elle continue à s'en intéresser de façon aussi distante que ce qu'on constate ces derniers temps. Voilà, donc nonobstant, bon, pour la convention, on est contraint de la signer. Excusez-moi, ça n'empêche qui, enfin, si demain, par exemple, justement, un deux roues se prend un accident sur la RD7, qui est responsable finalement ? C'est la mairie ou c'est le département ? C'est-à-dire que là, c'est le département qui est responsable. Dans un premier temps, je pense que notre responsabilité à nous sera forcément engagée, parce que c'est toujours vers le maire que les choses retombent. Mais nous, immédiatement, on le renverra à celui qui doit en assurer, et Dieu sait qu'on l'a prévenu à plusieurs reprises, l'entretien, donc le département. Bon, on va espérer que, du coup, l'intervention soit faite suffisamment rapidement pour qu'on n'en arrive pas là. Pour ceux qui veulent s'attacher aux grilles de la mairie pour les convaincre, c'est jeudi matin, 9h, le rendez-vous. Pas d'autres questions sur ce sujet. Donc on va faire en sorte d'avancer rapidement, puis surtout de faire en sorte qu'ils interviennent sur les autres endroits beaucoup plus vite que ce qu'ils ont fait là sur les RD7. Donc, ce que je vous propose, c'est donc de prendre acte des charges d'entretien du département, de la communauté de communes et de la commune de Douvres sur les RD 7, 35, 83 et 219, de m'autoriser à signer la convention relative à l'entretien des routes départementales 7, 35, 83 et 219 sur le territoire aggloméré de Douvres-la-Délivrante, c'est-à-dire qu'il comprend Tailleville également. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et donc, on vous tiendra informé des suites de notre rendez-vous de jeudi matin. Sur le point numéro 4, donc renouvellement des conventions de services communs instruction du droit des sols, il s'agit simplement de reprendre une délibération permettant de faire en sorte que toutes les communes soient placées au même niveau en termes de date de fonctionnement de cette convention. Pour mémoire, donc les deux communes qui n'étaient pas encore membres, qui n'adhéraient pas encore au service d'instruction du droit des sols de la communauté de communes Cœur de Nacre, c'est-à-dire Cresseron et Courseul, donc, nous ont rejoints au 1er janvier. Et donc, pour remettre tout le monde sur les mêmes durées et sur les mêmes conditions de fonctionnement donc, de cette convention de mise à disposition, hein, qui fait que chaque commune, en fonction des actes d'urbanisme, de la taille de la population, d'un certain nombre de critères, donc, participe au fonctionnement du service, puisse le faire dans des conditions juste, équitable, aussi bien en termes de montant financier que de délai de réalisation de la convention. Il ne faudrait pas qu'on ait, pour certaines communes, des conventions qui s'arrêtent à une date différente des autres. Donc là, on est obligé de recaler tout pour que ça fonctionne convenablement, sachant que donc Florence Muller, donc, qui est salariée communale, qui est en charge de l'instruction partie commune des actes d'urbanisme, donc, et depuis le 21 juin, mise à disposition du service intercommunal du fait de l'augmentation du nombre d'actes à instruire au niveau de ce service et donc des difficultés que nous avions à pouvoir tenir les délais. Or, on se tient et on se doit d'ailleurs à ce qu'on soit un service réactif, proche aussi, hein, c'est l'avantage de l'avoir sur notre territoire, de façon à pouvoir répondre au mieux aux attentes des habitants, évidemment en respectant les conditions des PLU des communes, étant entendu là aussi que depuis le 1er juillet, nous ne sommes plus sous le régime des PLU, mais nous sommes sous le régime du PLUI, donc plan local d'urbanisme intercommunal, qu'il va nous falloir mettre en place. Donc c'est un travail itératif de 4-5 ans qui est devant nous, et donc qui va permettre d'avoir une vision de l'urbanisation, du développement, de la préservation aussi de la biodiversité et d'un certain nombre d'éléments du bien-vivre sur notre territoire à l'échelle de Cœur de Nacre. Est-ce qu'il y a des questions sur ce service, donc, qui, je le rappelle, est dirigé par Nicolas Vidizoni, qui est mis à disposition également à mi-temps
par la commune hein, pour assurer la direction de ce service. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer d'approuver la poursuite de l'activité du service commun afin d'assurer l'instruction des actes d'urbanisme de la commune conformément aux modalités fixées dans la convention qui a été jointe et de m'autoriser à signer la dite convention avec la communauté de communes Cœur de Nacre ainsi que tout document nécessaire à la bonne exécution de la présente délibération. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc je signerai au nom de la commune et au nom de l'intercommunalité la dite convention. Sujet suivant, donc, petite ville de demain, vous savez que nous avons été élus parmi les communes du département, parmi les villes qui étaient susceptibles de pouvoir bénéficier du label petite ville de demain, qui donne un accès et facilité à un certain nombre de financements potentiels. J'ai vu la directrice de la Banque des Territoires, par exemple, vendredi, qui nous expliquait que certains projets ne pouvaient être financés par leur intermédiaire que pour les petites villes de demain, en tous les cas beaucoup plus facilement. Cette labellisation a pu être possible grâce à un travail hein, entre l'intercommunalité, puisque les trois communes ont travaillé avec l'intercommunalité, et un travail, donc, comme toujours, de qualité de nos DGS, hein, qui effectivement ont participé à l'élaboration de ce document et qui nous ont permis d'être très rapidement labellisés petites villes de demain. Donc dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de partenariats qui nous sont proposés de façon un peu spontanée, donc notamment celui qui est proposé par Enedis. Alors Enedis qui est un partenaire, je dirais, incontournable sur toutes les questions, évidemment, de fourniture d'électricité. Et donc cette convention, bon, qui a été signée par la commune de Luc-sur-Mer et par la commune de Courseulles-sur-Mer, qui sont les deux autres communes qui sont petites villes de demain pour notre territoire, donc permet essentiellement, principalement en fait, hein, de pointer des engagements d'Enedis en matière de conseil, d'accompagnement voilà, aux questions d'économie d'énergie, sachant que nous sommes sur ce plan aidés, et on le verra plus loin, par le SDEC également. Donc on a effectivement, nous surtout, éventuellement, l'intérêt, l'utilité de pouvoir faire jouer cette convention avec Enedis dans le cadre des conseils préalables et de la prise en compte préalable de nos projets par Enedis, donc sur notre commune. Voilà, donc l'objet de cette convention que je vous propose de signer comme nos petits camarades de Luc-sur-Mer et de Courseulles-sur-Mer. Oui. Juste une précision. Cette convention, elle court sur combien de temps? J'aurais peut-être dû le regarder dans le document, je suis désolé. Oui, attends. Je reprends. Alors, la labellisation Petite Ville de demain, c'est sur 6 ans. Oui, ça, c'est OK. Mais je regarde, je revérifie. 3 ans. Voilà. OK. À compter de la date de signature. Merci. Sachant que donc dans le cadre du projet Petite Ville de demain, donc nous avons l'opportunité de recruter donc un chargé de projet qui va accompagner les trois communes, mais plus largement d'ailleurs, parce que les projets ne vont pas forcément concerner, de mon point de vue, ne doivent pas seulement concerner que les trois communes, même si elles ont un rôle éminent à jouer dans le développement territorial. Mais donc ce chargé de projet va être financé à 75% par l'État. Les 25% restants seront financés par l'intercommunalité. Et à ce titre, bien sûr, le chargé de projet viendra appuyer de façon plus précise les projets de chacune des trois communes, mais également des projets de portée intercommunale, et pourra même accompagner, au moins en conseil, les plus petites communes qui n'auront pas forcément les moyens de s'offrir ce chargé de projet ou un assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc nous sommes en cours de recrutement de ce chargé de projet, donc qui devrait être arrivé au niveau de l'intercommunalité alors début septembre ou début octobre en fonction des disponibilités que les candidats, que le candidat ou la candidate retenue aura in fine. Donc le recrutement, on va essayer de le faire pour la fin du mois de juillet pour qu'effectivement cette personne puisse venir nous accompagner et préparer notamment toutes les négociations autour du contrat de territoire avec la région, du contrat territoire avec le département. Donc pour qu'au-delà des projets, on ait les financements qui nous permettent de mener à bien ces projets.
C'est quelque chose dont les habitants ne s'aperçoivent pas toujours. Jean-Pierre l'a un petit peu abordé tout à l'heure, mais c'est vrai que le temps long entre l'idée et la réalisation concrète de l'idée, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Mais pour des habitants non habitués à gérer ce type de dossier, parfois ils pensent que de l'idée va naître le projet immédiatement, sauf qu'il y a un certain nombre d'étapes à passer et des fois de difficultés à surmonter donc pour pouvoir y arriver. Donc sur le plan, en tous les cas, de l'alimentation énergétique, Enedis s'engage à nous aider pour trouver des solutions adaptées et donc dans un délai qui, j'espère, sera efficace. Pas d'autres questions sur le sujet du coup ? Eh bien, je vais vous proposer de voter, d'approuver l'accompagnement d'Enedis dans les projets de la commune et plus particulièrement dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, de m'autoriser à signer une convention de partenariat avec Enedis dans le cadre de ce programme. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc, dans la suite du sujet, donc, nous avons une convention de partenariat avec le SDEC Énergie qui nous a déjà permis d'ailleurs d'avoir le cofinancement à 80% des audits énergétiques de plusieurs bâtiments communaux, parce que par rapport à la question des économies d'énergie et du bon comportement en matière de dépenses énergétiques, nos collectivités se doivent d'être exemplaires, enfin en tous les cas de ne pas être en retard. Et donc notre commune, parmi les trois communes de l'intercommunalité, donc a pu bénéficier déjà du financement de plusieurs audits. Et là, donc, nous aurons également le financement d'autres audits qui seront utiles pour plusieurs bâtiments communaux. Le montant de la contribution restant à charge de la collectivité, de la commune, donc, représentant 20% du montant total de ces audits, s'élève donc à 1 873,29 €, mais ces audits sont vraiment très approfondis et nous permettent justement de faire les bons choix ensuite et les bonnes priorités aussi sur les travaux à réaliser, de manière à faire les choses les plus efficaces possibles, au moins dans un premier temps. Il y a des questions sur cette... Une demande, est-ce qu'on a dans ces audits des propositions d'action de réalisation et notamment le temps d'amortissement, parce que ça a été déjà fait sur un projet, et c'est important que ça y figure. Il y a les temps d'amortissement, et j'avais même demandé est-ce qu'on ait aussi une analyse financière complète, c'est-à-dire effectivement le temps sur lequel on peut éventuellement, si besoin était, emprunter, de façon à ce que finalement on soit sur un jeu à somme nulle entre les travaux et les économies d'énergie, c'est-à-dire que dans l'idéal, quand même, il faut que les travaux d'économie d'énergie qu'on va réaliser nous permettent d'économiser quasiment le coût ou les remboursements que nous aurions sur ces travaux. Donc il s'agit de calculer sur la durée, la bonne durée d'amortissement des travaux, de façon à pouvoir justement équilibrer les dépenses par les recettes, ou les économies plutôt, d'énergie que nous ferons. Donc ça, les audits vont indiquer tout ça. Oui, Laurent. Refais-le. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Quand j'ai relu la convention qui était proposée par le SDEC, j'ai vu comme l'école Jacques Prévert, sauf que pour moi, l'école Jacques Prévert a déjà fait l'objet d'un audit avec des actions d'économie d'énergie. Alors, on doit refaire un tour avec le SDEC sur les bâtiments retenus, justement, parce qu'effectivement, il y a eu des choses qui se sont faites avant que le SDEC n'intervienne sur les trois premiers audits énergétiques. Et donc... ils ont recruté quelqu'un qui suit ce dossier, qui devait être en place pour le mois de mai, puis après pour le mois de juin, puis maintenant pour le mois de juillet. Et donc, tel que ça se présente, je pense que, voilà, en début septembre, on est prévu qu'on ait une réunion avec eux pour justement recibler les bâtiments qui vont être visés par cet audit énergétique, en fait. Mais on a le financement, donc, de 4 audits énergétiques. Après, quel que soit le lieu, ça a moins d'importance pour le SDEC. L'important, c'est que nous, on choisisse les bâtiments qui nous vont bien. Pas d'autres questions ?
Je vais vous proposer donc de donner votre accord pour bénéficier d'audits énergétiques, de confier au SDEC Énergie le soin de réaliser l'ordre de service pour commander la réalisation des audits énergétiques, de participer pour le montant de la cotisation définie ci-dessus, c'est-à-dire 1 873,29 €, et de s'engager à voter les crédits nécessaires à verser cette contribution au SDEC Énergie après l'envoi du titre de recette par ce dernier, et évidemment de m'autoriser à signer la convention. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. À vous. Je vais du coup passer la parole à Muriel sur l'appel à projet pour un socle numérique dans les écoles élémentaires, non sans avoir au préalable pris la peine de la remercier, elle et Lydia, pour le travail réalisé donc, dans ce cadre, puisque nous sommes, ça nous a été confirmé par le correspondant de l'Académie, la commune qui était la première donc, sur la liste de celles qui ont candidaté. Et donc qui a été retenu, ce qui permettra à nos enfants, évidemment, d'avoir une plus-value supplémentaire dans le fait d'être inscrits dans nos belles écoles publiques. Quelques petits détails supplémentaires. Donc effectivement, nous avons été retenus. Alors tout simplement parce que nous n'avons pas été trop gourmands, c'est ce qu'on nous avait demandé à l'origine. C'est-à-dire que nous pouvions prétendre à demander une somme pour le volet équipement de 38 500 €. Nous avons été raisonnables puisque nous n'avons demandé que 25 100 €. Et le volet services et ressources, 4 620 €. Donc ces montants vont être subventionnés, c'est-à-dire que l'État va prendre à sa charge 17 570 € précisément sur les 25 100 du volet équipement et 2 310 € sur le volet services et ressources qui se montait à 4 620 € à l'origine, hein, puisqu'il y a une prise en charge à 50% pour un volet et plus importante pour le premier. Les équipements ont été commandés parce qu'il fallait faire très rapidement aussi, puisque bien sûr, en ce moment, c'est très compliqué d'avoir du matériel, y compris dans l'informatique et le numérique. Donc j'ai fait les choses en temps et en heure. Et effectivement, nous serons livrés la dernière semaine d'août, de façon à ce que ce soit opérationnel dans les écoles à la rentrée. Voilà, il y avait un délai à ne pas dépasser. Les autres écoles plus qui ont tardé ne seront livrées qu'en octobre-novembre maintenant. Donc voilà, donc il fallait tout faire dans l'urgence. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour cet appel à projet. Ben oui, on est ravis, les enseignants aussi. Voilà, pour l'instant, tout va bien dans nos écoles. Parfait, Muriel. Elle a été raisonnable, aussi raisonnable dans la prise de parole que sur le dossier, mais nous ne savons qu'être raisonnable dans tous nos projets. On verra plus tard notamment les demandes de subventions que nous allons y faire. Donc, je vous propose bien évidemment de confirmer ce projet. Je pense que les enseignants, les équipes enseignantes, que je tiens à féliciter d'ailleurs au passage, parce que nous avons vécu une année quand même très particulière. Donc, les équipes enseignantes, mais aussi nos ATSEM, tous nos personnels donc de mairie, cantine, etc. Nous avons eu une école publique, puisque j'ai dit deux, mais c'est une école publique, donc école des grands, école des petits, dans laquelle nous n'avons eu aucun cas. Donc ce qui montre bien que malgré quelques remarques un peu déplacées, en tous les cas superfétatoires, ça montre que nous avons su gérer la crise sanitaire tous ensemble. L'école, nos personnels, l'ADAGE aussi, qui a participé aussi de façon très efficace à l'accueil des enfants, qui a été d'ailleurs la seule à recevoir sur le territoire les enfants des personnels sanitaires au moment où seuls les enfants de personnel sanitaire pouvaient aller à l'école. Donc je pense qu'on peut se féliciter de cet excellent travail, de cette très belle coordination. Et bon, Muriel joue là-dedans évidemment un rôle important. Donc aux côtés des équipes enseignantes et de la direction de l'école. Voilà, donc pour revenir à notre sujet du socle numérique, donc, qui va nous permettre de donner à nos enfants de l'école donc, des conditions au top niveau donc, pour assurer le meilleur des apprentissages qui soit. Je
propose de voter, de m'autoriser à signer une convention de financement définissant les modalités de cofinancement d'exécution des dépenses ainsi que les engagements de chacune des parties et de dire évidemment que les crédits sont prévus au budget 2021 puisque nous les avons votés dans le cadre du budget supplémentaire. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Il ne reste plus qu'à faire. Merci Muriel. Je sais que ça se passera bien comme le reste. Je redonne la parole du coup pour le PEDT. C'est bon, le fil est plus long qu'il n'y paraît. Donc notre PEDT est arrivé à échéance. C'est le projet éducatif de territoire est établi pour une durée de 3 ans. Donc nous avons retravaillé la nouvelle convention avec l'ADAGE, bien sûr, en partenariat avec l'ADAGE. Donc je ne vais pas tout vous détailler, je vais juste vous annoncer les 4 axes principaux qui fédèrent ce PEDT, qui vont être pour les 3 années à venir le bien-être ensemble, le développement durable. Ça n'existait pas auparavant, mais ça nous a semblé important de le faire rentrer dans le PEDT par rapport à notre politique communale. Donc Jean-Pierre va venir nous aider, nous donner plein de bonnes idées. L'ouverture au monde et l'autonomie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon, ben après, la convention sera signée et normalement, ce sera à nouveau en place pour la rentrée aussi scolaire, pour le mois de septembre. Voilà. Merci Marielle. Est-ce qu'il y a des questions sur le PEDT ? Bon, là aussi, c'est quelque chose sur lequel on s'est montré assez anticipateur. On était un des premiers à l'époque à signer le PEDT. Bon, c'était à l'occasion des changements de la semaine à 4 jours ou 4 jours et demi, 5 jours selon les cas. Voilà. Donc, mais ce PEDT, on a souhaité continuer à le faire vivre alors qu'on aurait très bien pu l'abandonner. Un certain nombre de communes l'ont abandonné. Et donc, notamment, tout ce qui est en périphérique à l'école est à prendre en compte dans nos objectifs d'éducation aux côtés de ceux de l'éducation nationale, puisque ces temps-là doivent être utilisés aussi pour préparer nos citoyens de demain, nos élus de demain aussi peut-être, donc dans les meilleures conditions, en tous les cas, ouvrir à nos enfants la découverte d'un certain nombre de choses. En s'ouvrant sur le monde de toute façon et sur les possibilités qu'offre Donc notre pays et notre commune en termes d'activités notamment associatives, que les jeunes vont pouvoir le mieux se développer, s'émanciper, devenir des citoyens actifs. Voilà, donc sur ce PEDT, je vais vous demander de m'autoriser à signer tous les documents permettant la mise en œuvre de ce dossier, notamment le renouvellement de la convention de projet éducatif territorial, du plan mercredi et la charte qualité du plan mercredi. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Alors ensuite, nous avons un réaménagement de lignes de prêt Caisse des dépôts pour des bâtiments construits donc par Parthélios, 40 logements sur les Hautes-Devises et 12 logements sur les Hauts-Vents. Donc il s'agit simplement de réaménager en fait la garantie d'emprunt que nous avons donnée. Donc de faire suivre l'évolution de ce prêt par une évolution de la garantie d'emprunt, puisque la garantie d'emprunt est tenue évidemment de très près au prêt. Et donc les prêts ayant été changés, nous devons revoir également la garantie d'emprunt que nous leur avons accordée. Est-ce qu'il y a des questions ? Voilà, c'est quelque chose qu'on fait de façon tout à fait habituelle pour les bailleurs sociaux qui vont chercher des prêts qu'ils n'ont que s'ils ont des garanties. Pas de questions ? Je vais vous demander d'autoriser la garantie de la collectivité pour la durée totale de chaque ligne du prêt réaménagé jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Ça ne nous est encore jamais arrivé, heureusement. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le garant s'engage à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, renoncement au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce règlement. Et donc, je vous propose de nous engager jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Et
Bien, merci. Ça nous permet effectivement de pouvoir accompagner le logement social sur la commune, qui est très important. Subvention exceptionnelle au comité des fêtes. Je vais peut-être passer la parole à Alain. Tu veux que je te... J'ai un coup de soleil. Oui, on a deux demandes de subvention exceptionnelle. La première, c'est, elle vient du comité des fêtes pour un montant de 5 000 euros, ce qui permettra l'organisation d'un festival de musique qui a déjà commencé. Vous avez peut-être participé à ce premier moment. Le premier concert. Et donc, ça, c'est le festival Circuit Court. Est organisé sur les 4 dates, donc le 2 juillet c'est passé, 27 août, 3 et 10 septembre, de 19h à 21h sur la place des Marronniers. Alors, pour mémoire, le comité des fêtes n'a pas demandé de subvention cette année, étant donné que leur trésorerie était suffisante pour les diverses animations qu'ils avaient à faire au niveau de la fête de la musique, la fête de la baronnie et la fête des enfants. Le festival Circuit Court, c'est un événement nouveau, qui est dédié à l'animation de la commune, et en particulier, donc vous l'avez bien vu, hein, de la place des Marronniers, ce qui est pas mal. Donc après avoir consulté les membres des différentes commissions, des deux commissions, finances et associations, les gens qui les composent ont proposé un avis favorable à cette demande de subvention. Est-ce que vous avez quelques questions ? Pas de questions ? Bien, donc, sachant que le comité des fêtes donc, est sollicité dans ce cadre-là, pardon, c'est moi qui ai mal géré le micro, donc le comité des fêtes est sollicité dans ce cadre-là pour plus de facilité, hein, c'est effectivement une subvention qui permet au comité des fêtes de régler plus simplement les artistes qui vont se produire sur ces quatre soirée, donc on en tirera les conséquences et les conclusions, puis on verra si effectivement c'est quelque chose qui se renouvelle à l'avenir, à l'échelle de la commune ou d'ailleurs de l'intercommunalité, notamment pour mettre en valeur des artistes locaux qui n'ont pas forcément d'autres occasions de se produire. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer de décider le versement de la subvention exceptionnelle au comité des fêtes pour l'organisation du festival Circuit Court d'un montant de 5 000 euros, en disant que les crédits sont prévus au budget 2021. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Et donc rendez-vous au 27 août pour la deuxième séquence de circuit court. Je te laisse continuer, Alain, sur l'école de football de la jeunesse sportive d'Ouvrez. Oui, alors la JSD CN, c'est l'école de foot donc, de la jeunesse sportive d'Ouvrez, a organisé un grand tournoi annuel, la Normandie Cup. C'est un tournoi qui existait déjà pendant quelques temps, qui malheureusement n'a pas pu se faire l'année dernière ni l'année d'avant, pour les raisons que tout le monde connaît ici. Donc là, il a eu lieu le dernier week-end de juin. Oui, c'est ça, je ne sais plus où j'en suis. Dernier week-end de juin, c'est un tournoi qui a remporté un bon succès, un très bon succès même. Et pour mémoire, la JSD CN a bénéficié d'une subvention en début d'année de 15 000 euros pour l'année 2021. Là, c'est une demande de subvention exceptionnelle pour les aider à organiser ce tournoi pour une somme de 2 000 euros, ce qui représente à peu près 13% du budget total de ce tournoi, qui est de l'ordre de 14 380 euros. Alors, lors des précédentes éditions, le versement de cette subvention était subordonné à la fourniture de factures pour les produits achetés dans les commerces d'Ouvray. Alors, pareil, les membres des deux commissions ont été consultés et on a reçu un avis favorable pour cette subvention dans les conditions que je viens de vous exposer. Est-ce que vous avez des questions ? Eh bien, je vais vous proposer de voter, de décider le versement de la subvention exceptionnelle à la JSDCN d'un montant de 2 000 euros sur réception de factures relatives à l'achat de fournitures dans des commerces d'Ouvray,
ce qui permet donc de continuer à participer à la dynamique de nos commerces, et de dire que les crédits sont prévus au budget 2021. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour eux. Ce tournoi a été une très grande réussite et a vu de nombreux jeunes de différentes communes venir montrer leur talent sur nos terrains. Le sujet suivant, donc promenade Thomas de Douvres, donc on vous propose de demander une subvention complémentaire donc sur la réalisation de cette promenade. Donc on a déjà une subvention DETR qui est acquise donc au conseil régional, donc dans le cadre des aménagements cyclables, la région ayant la compétence de base mobilité, hein, l'intercom en a pris 6 des 8, mais la structure, la collectivité responsable de la mobilité, ça reste la région quand même. Et donc à ce titre, la région, évidemment, est en capacité de pouvoir intervenir financièrement. Alors nous bénéficions du coup d'un avenant que la région va signer avec l'intercommunalité, qui nous permet donc de réaffecter une somme qui était prévue sur un projet courcelé qui ne peut se dérouler. Et en même temps, donc, la région a, compte tenu du fait qu'elle a décalé d'un an la réalisation du prochain contrat de territoire, a accepté d'instruire un certain nombre d'autres projets, à la condition qu'ils se réalisent très rapidement, donc au plus tard dans l'année 2022, mais pour nous ça va être donc déjà 2021, donc d'inscrire quelques projets complémentaires, dont notre promenade Thomas de Douvres. Voilà, donc je rappelle que c'est un budget qui s'élève à 125 000 euros hors taxes uniquement pour la partie promenade, sans compter donc les traversées piétonnes qui vont être aménagées, et puis donc l'éclairage public qu'on va voir un peu plus loin, et l'aménagement paysager, ainsi que l'aménagement donc du barriérage qui va être réalisé pour rendre cet espace le plus bucolique, sympathique possible. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Oui, Jean-Mi ? Juste une précision, le conseil régional est susceptible d'intervenir à quelle hauteur ? C'est 25%, c'est ça ? Je sais plus. C'est 25%, je crois. 25%. Oui. De mémoire, je crois que c'est 25%. Bon, sachant qu'on a déjà donc d'autres financements qui nous laissent à penser que voilà, cette opération va se réaliser dans de bonnes conditions pour la commune. Elle est déjà bien avancée, hein, vous avez vu, mais il y a encore quelques travaux à réaliser, notamment de protection de la douvette et de raccordement aussi d'un certain nombre d'autres espaces. Bon, la finalisation de ces travaux va être à l'automne, hein, maintenant, puisque en fait le revêtement qui est resté noir aujourd'hui, hein, le bitume qui est noir, va blanchir d'un coup. Donc probablement au mois de septembre, l'entreprise Le Tellier, donc qui assure le chantier, va assurer un grenaillage, c'est-à-dire qu'ils vont venir racler en fait la première couche noire de bitume, qui va faire réapparaître donc les petits cailloux blancs qui sont dessous, et qui va donner donc une physionomie moins routière que le bitume noir, qui évidemment est assorti aux routes. Et donc tout l'ensemble, y compris la traversée de la voie des Alliés, la connexion avec cette traversée, sera traitée de la même manière. Donc, ce qui donnera aussi, je dirais, une lecture différente du lieu pour les automobilistes, donc qui seront enjoints de ralentir encore davantage qu'ils ne le font aujourd'hui, et laisser la priorité aux piétons et aux cycles. Vas-y. Alors, si vous regardez devant le cinéma, rue du Chemin du Bord, vous avez une petite bande cycliste qui est entourée de deux lignes vertes. Et cette bande cycliste, elle est très très claire. Bah, c'est exactement ce qui sera dans la promenade Thomas. C'est aussi comme ça que sera traitée la partie cyclable et piétonne de la rue froide, la froide rue. Pardon. Donc pour aussi donner l'habitude. Tu confirmes que les cyclistes seront prioritaires ? Sur qui ? Sur les voitures, au niveau du passage.
Tu as dit ça tout à l'heure. Ah, j'ai pas dit qu'il... Enfin, normalement, de toute façon, des cyclistes qui, ou des piétons qui s'avancent sur un passage piéton et traversé. Oui. Oui, mais c'est pareil. Je veux dire, c'est la même chose. Donc la voiture doit s'arrêter. Hein, c'est, dans le code de la route, c'est clair. Même après, les cyclistes. Après, ce qu'on a prévu de faire, on a prévu de mettre des... On a prévu de mettre des... Hop. On a prévu de mettre des indicateurs lumineux, bleus, comme... c'est pour ça qu'il y a des fourreaux en attente, là, sur le bord, des traversées, d'ailleurs de toutes les traversées, hein. La traversée de la voie des Alliés, la traversée de la rue de la Fontaine et la traversée de la rue de la Poterie vont être toutes traitées de la même façon. Donc il y aura les petits poteaux, là, avec un éclairage bleu qui marquera le passage des piétons et des cycles. Évidemment, plus utile au moment où la nuit tombe ou en pleine nuit, bien évidemment. Je me permets juste un petit rappel. Quand on parle d'un cycliste prioritaire, c'est quand il est à pied, quand il passe sur un passage protégé, pas quand il est sur son vélo. Il est en infraction s'il passe sur le... Enfin, il se considère être prioritaire sur le passage protégé en étant sur son vélo. Aujourd'hui, moi, pour le pratiquer personnellement, je m'aperçois que les voitures sont assez respectueuses quand même de cette traversée. Il y a quand même beaucoup de gens qui s'arrêtent, quelques-uns évidemment, qui ne s'arrêtent pas. Mais la majorité des automobilistes sont respectueux de la traversée, qu'elle soit piétonne ou cycle d'ailleurs. Dans la plus grande, je dirais, confusion potentielle, c'est celle qui va exister potentiellement entre les piétons, les cycles, les trottinettes, les rollers qui vont pratiquer la promenade en simultané. Et donc là, j'espère que le bon sens l'emportera, que les cyclistes, du coup, seront très prudents. Parce que là, c'est à eux de respecter les piétons, mais les trottinettes également, parce qu'ils iront peut-être des fois plus vite que les cyclistes eux-mêmes. Donc il y aura une surveillance à faire pour que, effectivement, tout ça fonctionne pour le mieux, quitte à ce que donc on prévoit des endroits où on ralentisse de façon obligatoire la vitesse. On a prévu à quelques croisements de créer des sortes de chicanes pour faire en sorte que ceux qui auraient la vocation... de battre un record de vitesse, donc l'oublie rapidement. Pas d'autres questions sur le sujet. Donc, on prévoit, je pense, une inauguration de cette promenade à l'automne, voilà, lorsque notamment un certain nombre de plantations seront ajoutées. L'idée, c'est aussi de planter des arbres d'assez OG pour... le plus souvent possible, hein, ce ne sera pas forcément facile à tous les endroits, mais le plus souvent possible, avoir l'esprit qui se trouve à côté du petit pont jaune là, qui donne sur la rue du Lavoir et qui donne donc un cadre un petit peu bucolique au site et moins routier en fait. Il y aura aussi des passages piétons hein, qui seront aménagés. Il y en a déjà un qui est aménagé, justement dans ce secteur-là. Mais de l'autre côté, on en aménagera un aussi pour que les piétons qui souhaitent se distinguer des cycles. Alors, ce ne sera pas possible pour ceux qui ont des poussettes ou des voilà, ce sera plus compliqué. Mais en tous les cas, pour des piétons qui voudront se promener de façon plus bucolique encore et plus tranquille, ils pourront le faire sur un des deux côtés de la promenade. Voilà. Bon, tout ça va s'aménager tranquillement avec le temps. C'est après. Ok, donc on peut passer au vote, si vous en êtes d'accord. Et je vais vous proposer d'approuver la demande de subvention auprès de l'État en DETR ou DECIL sur un montant restant à charge pour la commune. Alors c'est à la région d'ailleurs, c'est pas la DETR, DECIL. Donc restant à charge de la commune de 40... attendez, non, je vous dis une bêtise, j'ai confondu, excusez-moi. Donc, je vous propose d'approuver l'engagement des travaux de réaménagement de la promenade Thomas de Douve pour l'année 2021 et de m'autoriser à constituer un dossier de demande de subvention au maximum sur un montant de travaux estimé à 125 000 euros sur un linéaire d'environ 850 mètres au Conseil régional de Normandie au titre du contrat de territoire de la communauté de communes Cœur de Nacre. Voilà, j'ai retrouvé mes petits. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci. Donc en fait, j'avais anticipé sur le sujet suivant qui est donc l'éclairage... LED et progressif donc, de la promenade. Donc, dans le cadre de ce projet, on va changer aussi tous les mâts d'éclairage public. On va les remplacer par des mâts en LED, évidemment, hein, mais davantage encore par des mâts qui vont s'éclairer au passage des vélos ou des piétons et qui donc ne fonctionneront,
jusqu'à minuit de toute façon, hein, que au moment où il y a utilité, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui fréquente cette promenade. Et donc, le prévoyant dans les travaux initiaux, ça ne nous coûte pas grand-chose en plus, mais par contre, ça nous permettra de faire des économies potentielles. Voilà, donc du coup, c'est une subvention complémentaire qu'on va demander à l'État pour cette année. Et ces travaux-là vont être réalisés à l'automne. Hein, donc l'éclairage public ne sera pas réalisé là sur du court terme, il va être réalisé à l'automne. Donc c'est pour ça que je disais que tout à l'heure, l'inauguration sera sans doute vers le mois d'octobre ou mi-octobre probablement. Pas de questions sur le sujet. Je vais vous proposer donc d'approuver la demande de subvention. Donc du coup, auprès de l'État en DETR décide sur un montant restant à charge pour la commune de 49 944,88 €, de m'autoriser à engager toutes les démarches nécessaires à l'attribution de cette subvention. Donc le taux qu'on va demander, c'est 40% de subvention sur ce financement. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Donc ça participera à la qualité de l'aménagement. On reste dans l'éclairage d'une certaine façon, puisque je vais vous proposer de voter le financement réel, ou la demande de financement réel du SDEC pour le projet d'effacement des réseaux routes de Bretteville, tranche 2. Le SDEC nous fait toujours voter d'abord un estimatif de travaux et nous fait voter dans un deuxième temps la réalité du coût final et donc de la participation que nous devons verser donc au SDEC. Et donc pour le projet d'effacement de réseau route de Bretteville tranche 2, il s'agit donc d'une participation communale de 81 889,12 €. Donc il nous restera la tranche 3 de la route de Bretteville. Donc, et puis ensuite donc il nous restera à travailler avec les référents de proximité et avec les habitants donc, de ce secteur pour pouvoir imaginer un aménagement à partir d'un aménagement qui avait déjà été proposé d'ailleurs il y a beaucoup d'années par la DDE, mais qu'il faut forcément beaucoup revoir, notamment pour pouvoir beaucoup mieux prendre en compte la question des cyclistes et des piétons qui n'étaient qu'insuffisamment prises en compte à cette époque. Mais bon, il y a au moins déjà une base sur laquelle un maître d'œuvre va pouvoir retravailler avec les habitants. Donc on va profiter de l'année 2022 pour pouvoir, pendant l'effacement de réseau de la tranche 3, préparer les travaux en 2023 de la finalisation des travaux engagés sur cette route de Bretteville qui, donc, travaux cumulés, représente quand même une somme significative. Mais attendue par les riverains. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? Donc je vais vous proposer de confirmer que le projet d'effacement de la route de Bretteville est conforme à l'objet de sa demande, de prendre acte que les ouvrages seront construits par le SDEC, sauf le câblage de télécommunications par Orange, celui-ci restant propriétaire de son réseau, donnant la permission de voirie pour la réalisation des travaux sur notre domaine public routier, de nous engager à voter les crédits nécessaires en fonction du mode de financement choisi, de décider d'inscrire le paiement de notre participation en section d'investissement par fonds de concours. Le montant total du fonds de concours ne peut excéder 75% hors taxes de l'opération. Le reliquat sera inscrit en fonctionnement. De nous engager à verser notre contribution au SDEC Énergie dès que les avis seront notifiés à la commune, ce qui est le cas. De prendre note que la somme versée au SDEC ne donnera pas lieu à récupération de la TVA puisqu'on verse sur du hors-taxe et le SDEC récupère. De nous engager à verser au SDEC Énergie le coût des études pour l'établissement du projet définitif en cas de non-engagement de la commune dans l'année de programmation de ce projet, ce coût étant basé sur un taux de 3% du coût total hors-taxe, soit la somme de 3 920,09 €. Et de m'autoriser à signer les actes nécessaires à la réalisation de ce projet, sachant que le projet est engagé, donc on n'aura pas à payer les 3% en question. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, on a deux délibérations de suite qui concernent les mêmes personnes, donc à la fois la création d'un poste d'adjoint technique principal, deuxième classe, puis de gardien brigadier au sein du service de la police municipale. Donc il s'agit de notre policier municipal que nous avons recruté en commun, en mutualisation avec la commune de Luc-sur-Mer, ancien gendarme, et qui, donc au titre de ses années d'activité de gendarme, peut obtenir donc son classement comme policier municipal, donc gardien brigadier,
Donc, voilà, depuis quelques temps, donc on a pris tous les renseignements qui permettent effectivement de garantir ce passage au titre de sa validation d'acquis, lui qui pour l'instant n'était utilisable et je dirais employable que comme ASVP, donc ce qui évidemment n'était pas du tout au niveau de ses capacités d'intervention. Donc là du coup, on remet simplement à niveau, au vu de ses compétences, de son expérience et de ses capacités, donc le poste qu'il occupe avec tout ça. Donc je vous propose de voter dans un premier temps pour la création de poste d'adjoint technique principal deuxième classe, donc d'adopter les modifications du tableau des emplois qui vont être ainsi proposées et de dire que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l'agent nommé dans l'emploi sont inscrits au budget chapitre 012. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Et puis, dans un deuxième temps, d'adopter la création de l'emploi de gardien brigadier au sein de la police municipale, ainsi que la modification du tableau des emplois et des effectifs, de constater la suppression du poste d'adjoint technique principal deuxième classe, donc à peine créé, on le supprime, et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité, et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier, de procéder au recrutement, ce qui est déjà largement fait, puisqu'il est déjà dans nos effectifs. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour lui qui attendait ça depuis longtemps. Sur les contrats d'apprentissage, on vous propose de recourir à plusieurs contrats d'apprentissage. Donc, ce sont des personnes qui sont déjà ou stagiaires ou en poste potentiel dans la collectivité. Donc, un contrat d'apprentissage au service action sociale, donc, qui va viser un master. C'est une personne qui était en stage déjà au service. Pour la crèche, donc, un contrat d'apprentissage pour un CP petite enfance. Et pour les ressources humaines, donc un contrat d'apprentissage en vue de suivre une licence dans le domaine des RH. Donc, du coup, on va se retrouver parmi les collectivités sans doute proposant le plus de contrats d'apprentissage, mais je pense que c'est un bien. Ça nous permet tranquillement de renouveler notre personnel et de préparer des salariés donc, à l'exercice des compétences dans notre collectivité, étant entendu qu'on ne gardera probablement pas les trois dans la collectivité, mais au moins on aura accompagné ces trois personnes dans leur parcours professionnel et sans doute qu'on pourra en garder au moins une, voire deux peut-être, donc au sein de la collectivité, et notamment une qui va pouvoir nous permettre de procéder à terme à un remplacement d'une personne qui nous donne particulièrement satisfaction. Donc il faut qu'on travaille ce recrutement avec le plus de précautions possible. Est-ce qu'il y a des questions ? Donc je vais vous proposer de décider le recours au contrat d'apprentissage, de décider de conclure dès la rentrée scolaire trois contrats d'apprentissage conformément au tableau présenté donc, et à la description que j'en ai faite, de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget au chapitre 012, de m'autoriser à signer tout document relatif à ce dispositif, et notamment les contrats d'apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Eh bien, merci pour ces jeunes personnes, pleins d'entrain, de dynamisme, et qui donc vont accompagner la qualité des services de la collectivité, donc placés sous la houlette d'Émilie. Ensuite, donc, délibération autour de l'achat de la parcelle AB 450 rue de Bayeux, dans le cadre d'une opération Cœur de Bourg. Vous savez qu'on a déjà procédé à l'achat de deux parcelles sur la rue de Bayeux. Il nous en manque une troisième, c'est celle du fond, hein, donc la parcelle AB 446, AB 450, pardon, donc c'est celle qui est au bout des parcelles 446 et 449 et qui est en proximité des deux garages que nous avons achetés, ce qui nous permet, dans le cadre d'une réflexion que nous devrons mener en collaboration avec les commerçants du centre-ville notamment, de pouvoir réfléchir à une nouvelle dynamisation du centre-ville, à l'apport peut-être aussi de certains commerces complémentaires qui nous manque, et je pense particulièrement à un poissonnier traiteur là qu'il nous faut prendre dans nos filets un jour ou l'autre. Il y a un besoin, je pense, à peu près important, même très important. Le distributeur d'huîtres, on va en parler dans le prochain Douvre Info, et le distributeur d'huîtres qui, dans le département du Calvados, sur les 5 qui sont gérés par l'association, fonctionne le mieux. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une clientèle, à la condition qu'on attire évidemment et qu'on puisse retenir un professionnel poissonnier-traiteur de haut niveau de qualité
de façon à ce qu'il se situe au moins à l'équivalence de ce qu'on peut trouver sur le territoire, voire mieux si on peut. Mais bon, il y a d'autres projets qui pourront également s'y dérouler. Ça peut participer aussi à l'apport en stationnement complémentaire à proximité du centre-ville, même si nous avons déjà, par rapport à d'autres communes, beaucoup de stationnements à proximité du centre-ville. Donc, le coût d'achat, il est proposé au prix que nous avions convenu avec la personne de la parcelle d'à côté, c'est-à-dire 30 375 euros pour une superficie de 225 mètres carrés. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non ? Eh bien, je vais vous proposer, vu l'avis du service des domaines, évidemment, avec lequel nous travaillons de façon tout à fait étroite sur ces questions, de décider l'achat de la parcelle AB450 au prix de 30 375 euros, donc à monsieur et madame Denis, qui en sont les propriétaires aujourd'hui, de m'autoriser à effectuer toutes les démarches nécessaires à l'achat de la parcelle et à signer le dit acte, et de dire que les crédits sont disponibles au budget 2021. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Il nous reste donc à traiter la question de la constitution du jury d'assises 2022, comme chaque année. Émilie a une solution technique qui nous facilite normalement les choses. Donc Émilie se prépare. Je profite pendant cet intermède, au nom de tous, même si on l'a déjà fait par intermédiaire d'outils numériques, pour souhaiter un excellent anniversaire à Christine. J'espère qu'à l'occasion, tu ne vas pas être tiré au sort pour le jury d'assises. Comme cadeau d'anniversaire. Mais ceci dit, le fait d'être jury d'assises, c'est toujours très intéressant. C'est une expérience, en tous les cas, que ceux qui ont vécu en retirent des choses. Alors, ce n'est pas forcément simple, selon les cas qui sont présentés, évidemment. C'est aussi très prenant. Et une obligation de présence, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui marque les personnes qui vivent cette expérience. C'est bon, Émilie, parce que j'ai plus grand-chose pour meubler, là, maintenant. J'ai des infos à passer. Est-ce qu'il y a des questions diverses que vous vouliez aborder, du coup, ou des informations que vous pouvez être amené à donner ? C'est pas pour meubler, mais il faudra qu'on pense à porter à l'ordre du jour du conseil municipal de rentrée la présentation du rapport annuel concernant le syndicat d'eau, oui. Puisqu'il nous a été, il a été approuvé par le conseil syndical. Très bien. Donc, on aurait fait aussi le syndicat d'assainissement, effectivement, sans doute. À passer donc sur ce terrain, du coup, sous la responsabilité du président, donc il se confirme que le projet de décarbonatation donc sera opérationnel fin du printemps 2022. Voilà, donc nul besoin pour ceux qui en ont l'intention pour le moment d'acheter des adoucisseurs. Ils n'auront plus d'utilité à cette date-là. Voilà, et ce sera surtout une économie d'échelle pour l'ensemble des bénéficiaires. C'est vraiment un traitement en amont qui porte beaucoup de vertus et en tous les cas des économies globales pour le territoire non négligeables. Alors, Émilie a besoin qu'on tire un peu plus de candidats, parce qu'a priori, elle n'a pas la liaison avec le logiciel MacNUS pour vérifier que, effectivement, les personnes sont bien susceptibles de pouvoir être désignées.
Bon, sachant que là, on fait une proposition qui est ou pas retenue, hein, c'est pas du tout certain que les personnes, quand ils ressortent, soient effectivement jury d'assises. Donc, ça va être bon, Émilie ? Attention. Oui, c'est un logiciel aléatoire pour les personnes qui sont de l'autre côté de l'écran et qui nous suivent. Donc, c'est un logiciel aléatoire qui permet de garantir complètement l'objectivité des désignations. Donc le numéro, c'est le numéro qui figure sur la liste électorale ? C'est ça. Voilà, donc le premier gagnant est le numéro 35. Le suivant, 2666. Ensuite, donc, on a le numéro 1305. Le numéro 593. Le numéro 917. Le numéro 1455. Le numéro 2288. Le numéro 2842. Le numéro 1435. Et le dernier, donc, le numéro 2985. Voilà, donc, vérification faite par rapport à notre liste électorale. Donc, nous confirmerons aux personnes directement leur brillante élection, donc dans un cadre totalement objectif pour le coup. Peut-être certains parmi nous voilà, peuvent être dans la liste et vous serez donc informés comme ceux qui seront désignés par ailleurs. J'en ai plus en fait. On a fait plus, ouais. Il n'y a pas d'autres questions. Du coup, je vais vous proposer de mettre fin à cette séquence, donc en vous souhaitant de très belles vacances d'été. Voilà, en espérant que le temps s'améliore. Ah, Alain, une petite info. Oui, pour ceux qui ne le savent pas, on a une réunion avec les associations jeudi, 8 à 18 heures, au Grand Logis de la Baronnie. Si vous êtes intéressé pour venir à la rencontre des dirigeants d'associations, vous êtes les bienvenus. Oui, juste un mot peut-être aussi sur les activités de l'été, notamment le festival Musique en Côte de Nacre qui va refonctionner, alors dans un cadre un petit peu restreint, mais avec autant de qualité, si ce n'est plus encore, par la qualité des artistes qui vont être proposés. Et le premier concert donc sur Douvres sera à la chapelle Lalique, donc il n'y en aura qu'un cette année, hein, compte tenu des problématiques d'organisation, puisqu'aucun groupe étranger ne peut venir en France. Et que ce festival s'appuie beaucoup sur les musiciens étrangers. Mais les organisateurs ont tenu à maintenir ce beau festival de musique classique. Et j'encourage toutes celles et tous ceux qui sont disponibles à venir en profiter, parce que c'est toujours d'une qualité irréprochable. Voilà, donc bonnes vacances à toutes et à tous. Bonnes vacances à ceux qui sont de l'autre côté de l'écran. Et puis donc, au plaisir de vous retrouver à la rentrée.